Ici, nous voyons le pasteur Jean au Temple du Calvaire, qui est l'église du président, le révérend Jacuti Mitré. Dieu a vraiment agi ce matin-là. Il y a eu deux services, des guérisons et aussi le salut des hommes. Voici les gens qui lèvent la main, qui ont été guéris. Voici l'église où le pasteur Pierre a prêché le dimanche. Traduit par Maoko, le Temple Galilée avec le pasteur Anani Gaston, qui est le père de Maoko. Et moi, j'ai prêché au Temple Eden Ezer avec le pasteur Adadé Haï. Et puis l'après-midi, il y a eu une rencontre de jeunes. C'était excellent. Il y a tellement de jeunes. Je crois qu'il y a entre 1500 et 1800 jeunes. Ça, c'était des jeunes de Lomé à Lomé. Et j'ai joué de la guitare et on a vraiment aimé ça aussi. Et après, la puissance de Dieu est descendue. Ça, c'était les âmes qui savaient avancer pour le salut. Certains recevaient certainement une délivrance. Et au moins 60 conversions. Le lendemain matin, nous avons été dans un village palimé. Nous avons visité le château Vial, qui était le château présidentiel entre 1979 et 82. Maoko, qui est le fils du pasteur, le vice-président des Assemblées de Dieu au Togo. Ici, pasteur Pierre s'amuse. Ici, un jeune qui est en train de faire un éléphant. Il sculpte tout à la main. Et les véhicules sont très surchargés. Le sang de Jésus nous protège. J'espère. Voici un peu la ville lors de notre retour. Le lendemain, nous sommes allés à Atakpamé. Ça a pris environ 2h30, 3h se rendre. Voici notre arrivée. Et ceci est une école biblique. On priait aussi le Saint-Esprit a descendu. Ici, pasteur Louis C. Je demandais au feu de descendre et les gens étaient touchés. Oh, fear it moves. I breathe you in, I lean into your drum. Voici l'équipe de l'école théologique de Sada. Et après, le pasteur Yakpé nous a fait visiter. Voici la cuisine des étudiants. Voici
aussi le mortier. Ceci s'appelle un mortier qui est fait pour écraser le foufou. Pasteur Yakpé qui nous accompagne. Ici, c'est le pasteur Logosu qui est à genoux. On prie pour lui. Nous avons visité une autre petite église en tôle. Un système de son incroyable, mais tout est en tôle. Et c'est le pasteur Gagluzu. Voici le pasteur Logosu. Voici un arbre très, très gros. C'est un baobab. J'ai dit, il faut arrêter de prendre une photo. Et le camion n'avait pas démarré lorsque nous voulions quitter. Heureusement, on a pu le pousser pour le démarrer. Ici, voici le terrain de lycée d'Ago Nivé Centre. Voici la préparation au retour de notre voyage. On s'y est arrêté pour voir les préparatifs de la campagne d'évangélisation. I breathe you in, I lean into you.